Samus, your highest priority is to get Skytown's Aurora unit back online. It will help you find a way to reach the seed. We will upload its coordinates to proceed with caution. Gore's whereabouts and disposition are still unknown. Et salutations à vous tous et bienvenue pour cette édition numéro 6 du Let's Play de Metroid Prime Mode Hyper Mode 100% objet et analyse partie numéro 6. J'ai répété deux fois. Bon, alors, donc suite à Brio, où nous avons terminé notre quête sur... Les grandes unités de stockage. Nous avons terminé notre quête sur la première boss de zone. Bon, évidemment, maintenant, on va aller sur Elysia. Ah. Bon, j'ai analysé ces petites bêtes. Là, j'aurai une meilleure vision. Ah, elle va s'échapper. Je l'avais ici. Ah, j'ai pas la vision. Nice. Alors le drone de transport. Ok, donc ça fait une nouvelle créature. Une autre nouvelle créature. Voilà, donc... on est parti enfin sur Elysia. Allez, c'est parti. Ah. Un écrit. Ah, ça c'est une... Ça fait... En fait, il y a deux... Voilà. Créature et... Analyse. Voilà. Bon, casser les fenêtres, c'est assez facile. Par contre, le son est un peu fort dans mes oreilles. Ah, oh, ça fait du bien. Ah, voilà. Alors du coup, c'est l'astuce, Elysia. Quand même une petite ressemblance entre Metroid et Zelda du nom de la ville du coup. Il me semble c'est ça, ouais, Célestus, Célestus, ouais. La ville des Célestiens, évidemment. Une bonne ressemblance hein, quand même entre Zelda et Metroid. Ça fait... Et Zelda Twilight Princess, il me semble, si je dis pas de bêtises. Acroligne, voilà, c'est parfait. Bon,
prend déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup de créatures à Zélestus. Voilà, Acroligne. Bon, le premier est assez facile. Après l'escapade. Le but de ça là, c'est d'éviter de... Voilà. Voilà. D'éviter de tomber bêtement. Alors les premières créatures, le robot éteint. Là, nous avons une zone secondaire, mais nous ne pouvons pas y aller pour l'instant. Depuis 2208 encore. Ah, une deuxième analyse. La deuxième écrit. Le don. De toute façon, on aura le temps d'analyser cette créature. Alors, petit mécanisme. Le canon d'ordre cinétique. On va les aider de là, c'est à dire, on va les aider d'un côté. Ça, il nous faut l'amélioration. Bon, du coup, la petite réserve de missiles qui est récupérée, assez facile à récupérer. Elle sauve une bombe, mais c'est bon, assez easy. Un tir à haute température. Donc il dit tir, tir rayon. Donc tir rayon. Voilà pourquoi c'est chiant. Et voilà.
Voilà. Le Seigneur Vapeur. Les rayons laser. Un petite réserve de missiles bien cachée. Alors, je crois qu'il n'y avait pas d'écrit par là, non? Non. Il n'y a pas d'écrit par ici. Ouais, j'ai pas rentré de salle de sauvegarde, c'est assez étrange. Pour l'instant, je n'ai pas l'amélioration pour ça. Eh, hey, je vais aller là. Ah ben non. Alors du coup, petite cinématique des boss. Enfin. Alors, comment détruire ça? La première chose à faire. Ah lui, il est analysé. Alors, pour le faire apparaître, vulnérable haute température. On va faire utiliser le mode hypermode. C'est au moins comme ça on est invincible. Voilà. Ah, du coup il faut abonner le mode hypermode. Ça m'énerve. Oh! Mec, je t'ai rien fait, hein. Du coup, je suis mort, c'est ça?
être assez contraignant par contre si je meurs ici. Ah, ouf! Je vais échapper belle. C'était quand même hardcore. Voilà, donc c'est vapeur. Et vaincu. C'était quand même chaud. 20 énergie, c'est quand même serré. Donc évidemment, le robot vapeur, robot éteint, robot donné. Hein. Ah, le seigneur vapeur, il fait partie de la boss. Réellement. Ah oui, effectivement. Ok. Ok. Je pensais que c'était un ami normal, bon. Il est récurrent, je crois, qu'une fois seulement. Donc du coup, on a récupéré notre réserve d'énergie, qui nous met assez bien. Alors du coup, pour ouvrir la porte. Ceci. Ce système. Ah. Voilà. Et le troisième. Voilà. Ça, la porte est enfin ouverte. Je peux régler la webcam. Là. Voilà. Super. Au top. Le troisième écriture. La découverte. La découverte. Les bons dégâts. Alors, le système contrôle l'ascenseur. Là, on ne peut pas y aller pour l'instant, puisque nous n'avons pas l'amélioration du saut. On va devoir prendre l'ascenseur. On active manuellement, évidemment. Voilà. Nous n'avons encore rien. Oh non, pas ça. Hé ! T'as eu peur. Non, il y a encore un troisième, me semble. Alors. Je suis mort. Non. J'en ai détruit aucun, quoi. C'est totalement trollolesque. Et à 3. Ah, bah, évidemment. Allez. Découverte des trucs. Oh, je suis passé. Nice. Voilà. Voilà le deuxième canon. Petite créature. Ah, piou, 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 piou.
découverte des monstres. Les bons petits monstres. Alors là, c'est une porte de sauvegarde, si je dis pas de bêtises. Ouais, super. Super, on est largement bien au niveau de cet épisode. Pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de créatures à Elysia, donc c'est. Enfin, créatures de Elysia, donc c'est très rapide à analyser. Là, on ne va pas y aller. On va y aller que là. Et voilà. Donc l'unité Aurora 217. Mais malheureusement. Elle est corrompue au phason. Mais. Et nous ne pourrons pas passer. Parce qu'il nous faut la charge cinétique. Ah. Vous voyez, manquez-vous? Les prix de normand. Le globe fauteur, voilà. Voilà. Découverte des ennemis récurrents. Les globes fauteurs. Voilà, pour les esquiver, c'est assez simple. L'armure d'assistance au combat de Gore. Tiens. Lal. Ok, donc c'est par là. Découverte de la roue. Les non visés. On sait pas là où il faut aller. T'as un problème toi? Des nouvelles créatures. Les drones de combat dragon. Découverte des monstres. Le bon grappin. Et voilà. Ah, vous entendez le petit bruit d'amélioration. Elle est juste cachée dans ce conduit là. Voilà, comme vous avez pu le voir. Voilà, encore les réserves de missiles supplémentaires. Voilà, vous avez deux choix. Allez, bonjour! Au revoir!
Voilà comment détruire les monstres. Et avoir un bonus. Pour là, je l'ai déjà capturé. C'est la bonus destruction stylée. Alors vous voyez, c'est un peu compliqué ces créatures. Et de deux. Et de trois. Disparaît comme ça quand même. Ça serait congru quoi. On va essayer de refresh la salle. C'est un peu contraignant tout ça. Mmh.
Je pense qu'elle devrait être encore. Oh non! Du coup, je verrai. Si elles apparaissent pas là, je vais reboot. J'ai pas le choix. Je sais plus si elles sont. Il me semble que c'est encore là, de toute façon. On va vérifier après. Bon, allez. Oh oh, ma petite amélioration, viens là. Ah non. Mais qu'est-ce donc? Et un boss. Le drone de défense. Oh là 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 là.
Tiens. Nice, la boule turbo. Ah, par un petit test, excusez-moi.
Excusez-moi, je vais vérifier quelque chose. Alors, du coup, c'est bien ce que je pensais. Bon bah du coup on a la boule turbo et gyrogénérateur. Voilà. Et voilà, pour ça là, on a déverrouillé l'ascenseur. Donc maintenant, on pourra utiliser la boule turbo. Aussi, ce sera pour après quand on viendra, ça gagne du temps. Voilà. Ah oui. Allez, je vais vous faire la boule turbo maintenant. Et Et strike. Vous pouvez faire la boule de bowling. Et strike. L'appareil de gore est toujours là.
Ah, ce mécanisme là. Alors, hop. Voilà. Encore un écrit. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Bon, au moins, on sait que je l'ai un peu déverrouillé la salle. Donc je vais gagner du temps. En petite phase d'ennemis. Bon, si vous amusez un peu. Pi! Ah merde! Pi! Pi! Yeah! Allez, moi je m'amuse, je vous fais des strikes. Allez! Pi! C'est marrant de faire des strikes. Ah. Pi, pi. Donc là, on va lui donner le vaccin. Ah, intéressant tout ça. Ah, Gore est bien énervé là. C'est assez bizarre. That was
C'est assez chiant. On mène en unité au roi 217, évidemment. Moi bon, je vais pas détruire. Lala. Ah, shot. Ship status alert. Unknown entity approaching. Commence. Shot. Ça m'énerve ça. Ça m'énerve ces trucs. Il aurait dû être touché. Ah. Sélection D-Box. Oui. Vaisseau en alerte. Vaisseau en alerte. Ça m'énerve ce truc, ce mécanisme. Ship status alert. Unknown entity approaching. Commencing hull lockdown. C'est pas compliqué de bien viser. Ship
Voilà. Eh ben enfin. Oh non. Ah ouf. Allez, pas beau jeu, pas beau jeu. Ah vous, donnez-moi de l'énergie. Comme par hasard, j'ai pris le mauvais chemin. J'analyse. Enfin, toujours vérifier. Ah oui. Voilà. Petit tuto pour montrer à quoi sert ça la Volturbo, mais du coup. Et hop là. Pic. Au revoir. Quoi que je la récupère maintenant. C'est tôt. Ah merde. Trop tôt. J'ai sauté trop tôt. Là. Ah non, trop tôt. Ah non, il m'a touché.
Et... piou! Et une petite réserve d'énergie, une! Wouah, le flou total! Ship priority status alert. Hull armor taking damage. T'inquiète pas, j'arrive. Ça m'énerve. Ces trucs-là, ça m'énerve. Oui, on sait que le vaisseau est à l'air prioritaire. Tu vas t'arrêter? Ça m'énerve. Oula. Oula, quoi, il chauffe le rayon. Non! Aujourd'hui, laissez le mode hyper mode. Qu'est-ce que tu fais avec mon vaisseau, toi? Ah, Gore, je vais pas être content du tout. Ah là 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 là, je vais pas être content du tout. Just in time. Et c'est parti! Pour l'esquiver, voilà, pour faire... Tiens!
Tiens. Aïe. T'arrêtes de sauter sur moi un peu. Mais combat-toi comme un homme. Lui a chier. Tiens. Mais arrête de sauter. Voilà, première phase a été abattue. Deuxième phase. Allez, j'ai mis de life. Tiens, troisième phase. Et voilà, as-tu gore ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais aller vous couper, toi ! Tiens ! Ah ! Ça sert à rien, en fait. Ah ! Oups ! Ça sert à rien. Eh hey ! Donc on a bien vérifié que Goron l'a bien analysé, toi sans bruit. Voilà. Et donc on va récupérer notre deuxième rayon. Voilà. Le rayon de puissance, qui était un peu nul à chier, maintenant devient... Bon, vu que l'unité au vous a dit, le rayon de plasma. Eh oui.
Et là, bon, ben, on va arrêter cette sixième partie. Voilà, bon, une partie assez mouvementée. Donc, on a combattu Gore. Voilà, on a eu son emplacement qu'on va utiliser dans le septième épisode. Voilà, bon, ben, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce sixième épisode de Metroid. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. En 100% objet et à la 10. Allez, ciao, ciao tout le monde. Allez.